Boucan. À l'origine, on appelait Boucan un lieu de débauche, car quelqu'un qui fréquentait ces établissements était traité de bouc et venait boucaner à l'intérieur. Pas forcément en silence d'ailleurs, et Boucan prit le sens de bruit assourdissant. Avec le temps, ce qui était un défaut est devenu synonyme de qualité pour certains musiciens, et il n'est pas rare d'entendre un groupe de rock très satisfait de faire un boucan d'enfer, un boucan de tous les diables, etc. À Marseille, Boucan est passé du bruit à l'individu qui en est à l'origine. On dit alors, ce Gary est un vrai boucan. Le boucan n'est alors pas obligatoirement quelqu'un de bruyant, mais plutôt un importun, un gêneur, quelqu'un dont on a du mal à se débarrasser. À noter qu'à l'autre bout du monde, le boucan est une sorte de barbecue à poisson et le boucan de tortue une recette délicieuse à base de tortue fumée. Rien à voir donc. Il conviendra d'éviter les confusions. Faire du boucan pouvant signifier faire du poisson, du bruit et même un barbecue d'importun marseillais. Et on évitera surtout de boucaner une tortue. Pauvre bête.